Depuis 4 jours, il y a des troubles dans la ville de Goma. Nous sommes tous amenés et appelés à soutenir, n'est-ce pas, nos frères qui sont à Beni. Dans la première des choses, dans notre planification, nous avons informé la police sur la journée vivante. Ça veut dire qu'il n'y aura pas marche. Mais on ne va pas clouer quelqu'un chez lui à la maison. Alors, par rapport aux journalistes, la protection commence par soi-même. Dans ces communes de Goma, de désigner et aménager un mémorial, place de recueillement et soutien en souvenance de nos frères congolais, victimes, et pour le cadre de la vie de Goma. Nous avons suggéré les ronds-points à côté du cercle sportif où nous allons désormais déposer nos bougies de fleurs, des gerbes de fleurs, des photos des victimes en signe de notre attachement. Aux directeurs de médias et journalistes, de vulgariser ce message à Goma et partout au monde entier, d'informer les populations, c'est que demain vendredi, c'est le début des journées sans travail, journée de recueillement, de soutien à nos populations de Beni. De passer demain dans les familles pour demander à toutes les couches des populations ce qu'elles pensent de l'insécurité dans Beni et pour un bilan et non appeler les organisations pour un bilan. Protéger la population civile, mais aussi qui consiste à appuyer nos forces loyalistes et qu'elles décident à ce que au moins la MONUSCO soit retirée de Beni ou alors de la République démocratique du Congo. Moi j'ai le mandat de cette population et je ne dois pas à tergiverser, à chercher à gauche, à droite pour me positionner. Je suis de la position de ma population qui réclame le départ de la MONUSCO suite à ce qu'elle est en train de vivre sur terrain. Elle m'a envoyé ici à Goma pour la représenter. Et je la représente, je suis au moins sa bouche et je ne dois que parler de ce qui provient de ma base. Et donc je soutiens la position selon laquelle ma population ne veut plus de la MONUSCO, ma population met toute sa confiance dans nos forces loyalistes, nos FRDC, pour voir comment en finir avec la nuisance de l'ennemi ADF. Ne croyez-vous pas que ces différentes revendications, ces marches, l'attaque à la MONUSCO, c'est un avertissement. Et si demain, elle change le fusil d'épaule et termine cette tuerie en ville de Beni, est-ce que vous ne croyez pas, vous ne pensez pas que vraiment vous avez fait des trous et qu'il faut laisser même un ultimatum de quelques jours, pourquoi pas quelques mois, pour que la MONUSCO se repositionne? Tu sais, monsieur le journaliste, ma population a toujours été pacifique. Sauf qu'il y a des cas où il y a des infiltrés. Raison pour laquelle moi je ne soutiens pas la violence, mais je soutiens les voies pacifiques de revendication. Elle a l'habitude d'organiser des marches, des sit-ins, voire même des journées sans activité ou ville morte. Mais je déplore ce qui s'est passé à Beni avec l'incendie de matériel de la MONUSCO, avec des attaques par-ci, par-là. Et j'ai conclu qu'il y a eu des infiltrations au sein de notre population, parce que notre population n'a jamais été agressive de la sorte, elle a toujours été pacifique. Et donc, si les choses peuvent changer, c'est ça l'idéal. Nous aspirons à la paix. Et à Beni, on ne réclame pas autre chose que la paix. Une fois la paix retournée à Beni, tout ira bien comme sur les houlettes. On ne peut pas avoir de développement sans sécurité. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine session budgétaire et nous avons regretté par le fait qu'on a loué un peu de moyens pour ce qui concerne la défense, alors que la défense pourrait constituer la priorité des élus et de toute la population de la République démocratique du Congo et particulièrement de la province du Nord Kivu. Et donc, nous aspirons à la paix et le retour de la paix, c'est ça l'idéal. Si la MONUSCO peut changer son mandat en appuyant avec toute énergie nos forces loyalistes pour le rétablissement de la paix,
Et comme je l'ai dit tantôt, nous devons tout de notre population. C'est notre population qui appréciera parce que c'est elle qui est sur terrain. Nous ne sommes qu'ici comme ses représentants. Nous sommes sa bouche, nous sommes son œil. Et tout ce que nous devons produire ici, ça ne doit que provenir de notre population qui continue à souffrir dans la misère, dans l'insécurité et que c'est Jean-Claude Rabel. Honorable, est-ce que... Goma. Lina jiunga na wakaaji wa Beni ambao wanapitia maafa mengi ambayo inatokana na wajangili wa ADF NALU na mambo hayo ambayo wamama wamepanzulwa matumbu, watoto wamekatwa mashingo, wababa wamechinjwa, ni mauaji ya kimbari ambayo imetutisha. Na sisi kama shirika la raia la mji wa Goma tumeona leo ni vema tuweze tuchukue jukumu ya kuweza kusupport hiyo malalamiko na maumivu yote ambayo wandugu wa Beni wanasikia, na kwa hiyo tunasema siku ya tano, yani kesho, ni siku bila kazi. Kila mmoja atabaki nyumbani pake, wachuuzi, wamotar, washofer, wafanyakazi wote kwenye vituo vya serikali, kwenye ma NGO, kila mtu yule ambaye anaishi ndani ya mji wa Goma, kesho siku ya tano hakuna kazi. Tutabaki manyumbani tukilia, lakini tutaenda kwenye rompwe cercle sportif kwa kuweza kuweka maua na kuwakisha mabuji kuonesha alama ya huzuni ambayo tunakuwa nao na ya kuwalia wandugu zetu ambao wamepoteza maisha hapo Beni. Na tutakuwa tukivaa mavazi meupe sababu ni alama ya espoir, alama ya kuonesha kwamba ijapokuwa shida ambazo zinapitika Beni, tunaamini ya kwamba zitakuisha na zitakoma. Na kwetu ni kusema siku hii ya kesho tunapenda tusukume government ya Kongo kuweza kuchukua jukumu lake ili ikomeshe maafa ambayo inafanyika Beni, vile vile kwa Umoja wa Mataifa kuweza kutia mkazo sababu haiwezekani watu wauawe kama nyama mbele ya macho ya majeshi ya Umoja wa Mataifa, mbele ya waaskari. Ijapokuwa tunatoa hongera sababu siku si nyingi hapa tumeona operation mbalimbali ambazo jeshi letu la Kongo ambazo tunapigia mikono limekuwa likiwafuata hao wahuni wa ADF, na shida ni kwamba wakati walikuwa wakiwafuata porini ndani ya vijiji watu wamebaki wakiuawa, na kwetu hiyo hatuyataki, tunapinga hayo. Ndio maana kesho siku ya tano tunaalika wakaaji wote wa Goma kuweza kubaki nyumbani tukilia wandugu zetu na tukilomba government yetu iweze kufanya juu chini ili amani ya kudumu ipatikane ndani ya nchi yetu.